Les panneaux photovoltaïques peuvent être déposés de différentes manières. Montage en surimposition. C'est le montage le plus simple et le moins cher. Il est adaptable à toutes les toitures et ne présente aucun problème d'étanchéité. Il permet d'adapter l'inclinaison des modules photovoltaïques afin d'optimiser leur rendement. Intégration des modules en éléments de toiture. Il présente une double solution. Il sert de toiture en même temps d'une unité de production d'électricité. Il est plus esthétique que le montage en surimposition. Intégration sur toiture plate. Les modules photovoltaïques sont montés sur châssis qui sont tenus sur la toiture plate grâce à des contrepoints en béton. Pose sur bac lesté. Les modules photovoltaïques sont montés sur des bacs lestés. Les bacs lestés sont tout simplement posés sur la toiture plate. Afin de les rendre résistants aux charges de vent, les bacs sont alourdis par du ballast, gravier, pierre, matériaux divers. Pose de membrane souple. La toiture est recouverte de membranes photovoltaïques souples, flexibles. De telles membranes photovoltaïques sont des assemblages de cellules photovoltaïques dites amorphes. Elles seules peuvent procurer la propriété de flexibilité à la membrane. Intégration sur façade. C'est une alternative lorsque la surface du toit n'est pas suffisante. Un panneau installé en façade est plus accessible pour l'entretien et la maintenance. Le bardage solaire est une solution de haute technologie qui requiert de l'ingénierie technique en amont. Les modules photovoltaïques sont installés à l'aide de systèmes de fixation pour bardage. Le bardage solaire doit être réalisé sur une façade orientée vers le sud.